Bah dans la vraie vie j'aurais peut-être sauvé... Je sais pas, mais pour moi Hank il remonte tout seul, vas-y il est un peu stock, c'est bon. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Mais du coup j'ai plus Sam. Confiance en moi, c'est North. Fini. Piste, Android, Jericho, refuge. Peut-être pas parler de Jericho. Je ne comprends pas, je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. Ouais mais vous c'est êtes dans un vous êtes dans un bateau quoi. Il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Se cacher pour survivre, c'est ça la liberté pour bah vous. Bah ouais, c'est un peu bancal. Se cacher est notre seul moyen de survivre. Les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part. Si les humains nous trouvaient, ils nous tueraient. Android, Jericho, piste. Non mais c'est ça qui est compliqué, c'est que c'est juste des mots quoi. Les androïdes pouvaient suivre la piste, je me trompe. Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait... Vous êtes dans le vide. Oh ouais, ça va, vous abusez un petit peu des termes, hein, je trouve. Hein. Il existe un endroit pour être libre. Trouve Jericho. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. D'accord, je vous trust, hein. Diex, sombre, perdu, lucide. Bon, en vrai, vas-y. Dans l'ombre qu'il se passe quelque chose. Moi, je pense qu'on va rester sur notre... Ce n'est pas ce que j'appelle être libre. T'es perdu. Bah non, parce que là, comme on va faire une révolte, en fait. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire... Oui, ça a changé l'histoire. Et Hank, il va me détester après, hein. J'avoue que j'ai un peu le seum, par contre, pour la dernière... le dernier chapitre. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Oui, ils sont gentils. Mais vas-y, c'est vrai que... Tu vois, se cacher, et du coup... Plus pas pouvoir assumer ce qu'on est, c'est chiant quoi. Donc bon. Explorer. On peut allumer un petit feu là? Vite fait là, petit feu. Ça met bien. Ça y aura un peu de luminosité quoi. Putain, en vrai ça a l'air quand même bien tristouné hein, leur affaire hein. Je suis pas de là à juger les maisons des gens, mais ça a l'air quand même un petit peu triste quand même, hein, comme endroit. Hein, ça... On peut allumer le feu partout? Vas-y. Bon, j'allume le feu partout. Hein. Petit feu là. Bah, on se met bien! Exactement! C'est ça qu'il faut. On se met bien. Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? On peut fouiller un peu? Après, j'ai peur qu'ils se demandent qu'est-ce que tu fous, quoi. Caisse déjà vidée. Ok. Donc ça c'est des bouts d'androïdes. D'accord. Spécial un peu l'ambiance quand même. Hein. Analyser. Bon vas-y en vrai on analyse un petit peu le cargo quand même. Hein. Du coup ouais, ils ont volé des caisses. En fait ils ont fait quoi? Je pense à mon avis ils ont dû voler le bateau hein, je pense. Hein. Calcule le trajet. Explorer. Non j'ai pas assez allumé de feu. Attendez. Ok, Johnny a l'idée. Pour le coup, là... Ah, c'est très RP, là. Ah non, en vrai, leur cargo est nul à chier. Hein. Oh, putain. Bah ouais. Bah ouais, du coup... forcément, vous êtes en dehors de la société, forcément, bah... Il y en a, ils sont un peu en PLS, quoi, là. Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Oh non. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé. Mais il y a des bébés androïdes, genre. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. Mais non, il me fait trop de la peine le petit. Il me fait vraiment de la peine le petit. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Bah oui, c'est pour ça. Tu sais, il faut se rebeller, il faut faire des choses. Tu peux pas rester comme ça, dans le fond du trou du cul du monde, dans un bateau, frère. C'est une épave? C'est un taudis? Ah bah oui, c'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Je pense qu'il faut agir un petit peu. Ils font peur quand même, hein. Ah, ils ont pas l'air en forme, hein. Il faudrait leur donner un petit peu de vitamine, non? Un peu, vite fait. Après, je sais pas, hein, c'est... Ouais, un peu de vitamine, hein. Il paraît que les humains... Là, pas très bien, hein. Merci beaucoup, Sadi. Merci beaucoup pour le lurk. Je kiffe ce jeu. Voilà, c'est incroyable. J'aime trop. Non. Et coucou Golden. Je n'en sais rien. Tu veux un USB bisou? Comment il va Golden? Coucou énorme chibre aussi. Coucou Louis, comment ça va?
Ça m'a fait plaisir de te voir samedi. Marcus. Un peu, ouais, faut peut-être un peu se rebooster, hein. Putain, ils sont tristounes, hein, les androïdes ici, là. Ça va bien, en vrai. En vrai, ça va bien, en ce moment, ça va bien. Le moral, les projets, tout avance bien. Toi, ça dit quoi de beau, Golden? C'était ton stream? Mais ouais, ça faisait longtemps. Ouais, il y aurait une rediff sur YouTube, bien sûr. Bien sûr, et franchement, ce jeu, je sais pas si tu l'as fait, toi, Louis, ce jeu, mais ce jeu est incroyable. Vraiment, je... En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois, genre, que quelqu'un vient, c'est en mode, OMG, le jeu est incroyable. Mais oui, le jeu est fou. Il y aura des rediffs sur YouTube, sur la chaîne de replay. Vous avez, si vous voulez checker, vous avez Unknown Rock Replay. Et en gros, d'ici peut-être 2 semaines, on va commencer à les upload. Enfin, 2 semaines, 1 semaine, je pense. On va commencer à upload les épisodes petit à petit. Bah, franchement... en fait, ce qui est fou, c'est que ce jeu-là, à la base, bah, je pensais pas forcément l'aimer. Je pensais pas forcément l'aimer. On m'a pas mal tanné à me dire ouais, c'est fais-le toi, et tout. Et genre, moi honnêtement, je pensais pas kiffer. Au final, ça m'a grave foutu dedans. Hein. Assieds-toi. Bah, franchement, ouais, je te conseille, Louis. Je te conseille. Il est sur dispo sur PC, PS4, PS5 aussi. Et franchement, ce qui est cool, c'est que en gros, chaque run est quand même indépendante en fonction des choix que tu fais. Mais ouais, carrément, Louis, carrément. Beyond Two Souls aussi, je pense que ça va se faire. Pareil, ça a l'air vraiment pas mal. Comme d'hab et tout. Bah ouais, ça se passe bien. L'espèce se passe bien. Là, aujourd'hui, donc j'avoue que j'ai beaucoup dormi aujourd'hui. J'ai vu la mif et tout, donc ça faisait du bien. Comme Everything Everywhere, All at Once, te le conseille et tu le regardes pas. Depuis quand, Erwin? Faut que j'aille checker ça alors. Ouais, Beyond Two Souls, en vrai, je vais le faire. Bah, en vrai, du coup, on s'en suivra de Beyond Two Souls et de Heavy Rain. De The Quarry aussi, je pense qu'on va faire. The Quarry que j'ai acheté d'ailleurs aussi. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé pas cher en promo, donc. On se fera The Quarry aussi. Mais ouais, franchement, les petits jeux à choix comme ça, je vous ai dit à la base, je pensais pas forcément aimer. Au final, ouais, c'est carré. C'est vraiment un film en fait, le truc. C'est ça qui est fun. Mais ouais, en vrai, Loulou, en vrai, fait Beyond Two Souls, c'est si tu kiffes, je pense, go D3. Hein. D3 vraiment banger. Donne-moi ta main. Comment ça, D3 Become Human? Bah, le jeu, il est angoissant, je pense. Il fait... C'est pas de la peur à proprement parler, mais ça a l'air... Tu sais, ça te met vraiment dans l'ambiance et t'es vraiment à fond dedans, quoi. T'es mal, là. Ça, si ça, moi, ça me met pas bien, ça. Hein. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Ah, merci! Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Vous avez vu les yeux de la meuf là? Ça me fait peur. Ton cœur est troublé. Ah ouais, The Quarry, oui, c'est un jeu qui fait un peu flipper, non? Entre l'ombre et la lumière. Un peu comme les The Dark Pictures. Que choisiras-tu? Et du coup, Erdawin, tu m'avais parlé de quoi? Tes choix forgeront ton destin. Tu m'avais vraiment parlé de ce jeu là? Bah, ça en vrai, logique, on l'avait compris depuis le début, madame. Hein. En vrai, elle fait un peu flipper, Lucie, là. Hein. Lucie, elle me met un peu en bad mood, là. Hein. D'accord. Proposer un plan à Simon. Alors, je voulais quand même aller voir... Attends, est-ce que je peux aller lui parler à elle ou pas? Ah, putain. En fait, le truc, c'est que j'aurais peut-être dû... Ok, on va tous leur parler d'abord et après, on ira voir le boss. Je suis pas en grande forme. Mais ils sont tous. En fait, ils sont tous en PLS, ça, les bugs. Mon programme, ils sont tous pas bien. Le résultat ne serait pas. Non, mais ça me fait de la peine. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. C'est pas un jeu? Un jeu. C'est un film. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Attends, il faudrait que je me le note. Attends, on va faire un truc. Je ne peux pas me désactiver. Non. Bah, mère, je peux pas. Je ne veux pas me désactiver. Coucou Stoïx, comment tu vas? Mais c'est un film à choix ou pas, du coup, Erdawin, ou pas du tout? Ou c'est vraiment un film? Sauf qu'il y avait l'android à droite là qui voulait discuter là. Putain, elle a l'air de se faire chier, hein. Non, mais là, j'avoue que franchement, c'est pas une vie, hein.
ils ont l'air de se faire chier de fou. Genre, t'en passé ici, blessé, toi. Bon, vas-y, on va s'intéresser à elle. Fonction avant de venir ici. Ça va bien, Stubix. En vrai, franchement. Mais. Eh non, non, ça va plus du tout, Stubix, là. C'est bon, il y a que des aigris, frère, dans ce jeu, là. Merde. A, 2. Bah, du coup, attendez, merde. Ah, mais ils sont tous aigris, là. C'est pas possible. Mais oui, ils sont tous aigris. Très fort, les androïdes, mais arrêtez d'être aigris, s'il vous plaît. Putain, faites un effort. Bah, en vrai, le temps passé ici, elle va me casser les couilles, donc. La plupart de ces androïdes sont en sale état. Go, essayez d'aller dans une autre directive. C'est comme ça que je m'en traite ceux qui désobéissent. Ils nous méprisent. Jamais ils ne nous accepteront. Si t'es venu chercher du réconfort, tu t'es trompé d'endroit. Mais tu vois, hé, quoi que je dise, quoi que je fasse, putain. Mais elle est aigrie, non, mais c'est bon, c'est trop, madame, s'il vous plaît. Faites un petit effort. Putain, ça non, c'est triste. Il y a un rapport avec ta chaîne je dedans. Je sais où on peut trouver des pièces. Il y a moyen que tu me l'envoies en DM, Erdaoui. Dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Oh, comme ça, on va pouvoir les aider. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai. Bah, logique, c'est du vol, quoi. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Voilà, c'est ça, Norse. Et voilà. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ça me fait plaisir. Tu vois, ça me fait plaisir. Là, ils ont arrêté d'être aigris. Coucou Victor, okay. Comment tu vas? Ça va. En vrai, j'ai passé une belle journée, surtout. Bonne journée. J'ai fait plein de choses, etc. J'ai vu ma cousine, j'ai vu ma mère, donc c'était cool. On a mangé ensemble. Mangé des fruits de mer, là. Ça faisait genre 2 ans que j'avais pas me bouffé d'huître. Et bordel, qu'est-ce que je kiffe ça.